Hey, salut tout le monde, c'est Ryder et on se retrouve pour un tout nouvel épisode, enfin le second. Et puis on va continuer où on était arrêté. Au niveau 1. Enfin bref, et j'avais vu que y a un décalage son qui est super chiant. Et puis j'essaie de régler ça pour la vidéo parfaite. On y est pas encore entre le format et le décalage. Enfin bon, vraiment si vraiment c'est chiant et c'est embêtant, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et puis on va voir. Et aussi je vais faire plus d'épisodes. J'essaie d'adopter un rythme de une vidéo tous les deux jours ou tous les jours si j'y arrive. Ouais, on était là. Et puis des épisodes peut-être plus courts. Voilà, 35 minutes, c'est un peu long à upload. Vous voyez cette ruine là-haut? C'est le tertre des chutes tourmentées. Je n'ai jamais compris comment ma sœur pouvait supporter de vivre dans son monde. On finit par s'y habituer, j'imagine. Ouais, et puis sinon j'avais téléchargé les mods pour déjà en premier temps pour l'inventaire. Après c'était pour les qualités. Pour la qualité du son aussi. Pour la qualité du son, parce que c'est toujours mieux fait en fait. Quand je taperai des gens. Voici les pierres gardiennes. Roi des 13 anciennes pierres dressées qui parsèment le paysage de bord de ciel. Se placer sous le signe du guerrier apprendront les compétences de combat 20% plus rapidement. Vous ne pouvez bénéficier que d'un seul bienfait du signe à la fois. Allez-y, voyez-vous-même. Guerroyer ? Parfait. Les étoiles vous guideront vers l'honneur et la gloire. C'est bon. Ouais, ah oui, pour la carte aussi. On a les chemins et tout, c'est beaucoup mieux fait. Alors que bon, j'avais pas montré avant, mais bon, les chemins étaient un peu mieux faits. Continue la troupe. Oh, qu'est-ce que... Bonjour les armes. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? On était parti pour aller avec moi. N'oubliez pas, ce n'est pas territoire des étoiles. Que personne ne sait ce qui s'est passé à Elgen, on ne devrait rien risquer si on fait pas plaisir. Et si on croise des impériaux, c'est moi qui parle, d'accord? D'accord. Parce qu'on ne croise pas. Oh, des poissons. Oh, on peut les choper, quoi. J'ai chopé. Genre on monte. Moi je vais choper le seigneur. C'est pas grave, on est parti. Pareil c'est 3 heures là, sur le coup du chemin. Tête bouge ou... On est parti. Ah ouais, le saut qu'il fait quand même. Ok. Bug un peu, mais... Oh, oh, oh. Dans la cuisse. C'est bon. On ne sera jamais arrivé. Je suis bien. Elle traîne vraiment beaucoup, hein. C'est pas possible.
rive bois. Oui, c'est ça. Un dragon! J'ai vu un dragon! Un dragon? Quoi? Qu'y a-t-il encore, mère? Il était aussi grand qu'une montagne et aussi noir que la nuit. Il vient de survoler le tertre! On dirait que personne. Des dragons maintenant? Par pitié, mère. Si vous continuez ainsi, tout le monde en ville vous croira folle. Et j'ai mieux à faire qu'écouter vos derniers délires. Ouh. Tu verras, c'était un dragon. Peut-être que tu me croiras quand il nous tuera tous. T'es stress. Mon papa, il va pas te tuer. Oh si. Oh poulet. Mais lui, en fait, il viendra jamais. Papa dit que je me méfie pas assez des étrangers. Mais vous, vous avez l'air aimable. C'est pas tous les jours qu'on a des visites à Rivebois. Ce qui serait de mieux en matière d'armes et d'armure. Et par contre, je vais me remettre. Bon. On va mettre en armure légère. Pourquoi? Parce que je préfère que je cours plus vite, même si s'il y a moins de défense, je vais réussir à me démener. Très bien. Dites-moi ce qu'il vous faut. Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? Juste vendre des trucs. Donc. Bonne journée. Mon père, c'est Alvor, le forgeron. Je suis son assistant. Je descends tout de suite. Son apprenti. J'ai fait peur quand même. Pour les grands enfants là. Un jour, je forgerai ma propre épée. Ouais. Surveillez la route du sud. Du coup, il est là. Venez nous prévenir si vous voyez le moindre soldat impérial. Vous venez d'arriver à Rivebois? Si vous cherchez du travail, allez voir Odd à la Syrie. Assurément. Tenez, la clé de la maison. Que se passe-t-il? Que faites-vous ici? Des cadeaux aussi. Un dragon? Ça expliquerait donc ce que j'ai vu arriver en volant par le sud et descendre la vallée. Je pensais avoir à lutter. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous crois. C'est de pire en pire. D'abord la guerre, maintenant les dragons. Qu'allons-nous devenir? Je sais pas. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Nous devons informer le Jarl Balgruf à Blancherive et lui demander d'envoyer des troupes. Je veux rester parler avec tonton Ralov. Vous faites ça pour moi. Je vous le revaudrai. Regarde-moi ça, tu es presque un homme désormais. Tu pourras bientôt te battre, toi aussi. C'est vrai. T'en fais pas, tonton Ralov. Je laisserai pas ces soldats te prendre par surprise. Que se passe-t-il, Ralov? Vous avez l'air épuisé. Dans la tête. Alors, tu veux quoi? Ok, bon. On va couper, hein. Attends, un champ, enfin, pas vraiment un champ. C'est pas grave. Je ne vois rien. Du sneak à le pied.
Oh, c'est quoi ça? Vous n'êtes pas du coin, hein? Vous n'avez jamais entendu parler des compagnons. C'est un ordre de guerriers, liés comme des frères et sœurs par leur honneur. Nous résolvons les problèmes quand la récompense en vaut la peine. Cette décision ne dé... Ce vieillard a un don. Okay, bonne bon. Chance, je crois que je si sais, vous décidez bon. D'aller le voir. Okay. Si vous combattez avec nous, vous aurez... Flèche de fer. Je récupère ma flèche. T'as d'histoire à raconter. Par contre, allez voir Yorva. Ok. Votre santé, magie ou votre vigueur. Ok. Augmenter la magie, je vais plutôt faire un mage aussi. Si vous valez quelque chose au combat. Le vent m'apporte l'odeur du sang. Une bonne chasse en perspective. Moi je vais Je vais aller à gauche. Oui, si, c'est ça. Oh, un cheval là. Besoin d'un chariot ? Il nous emmène où qu'on veut, quoi. J'aurais vu le Yarl, je vais arrêter parce que après, comme ça je pourrais faire plusieurs épisodes peut-être et pas en faire des trop longs. Voilà, ça lag un peu, très bizarre. Donc je vais sauvegarder, je sais jamais. Le problème. Halt ! La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. Bon, non, non, non. Bien. Mais on garde un œil sur vous. Hop. On raconte qu'Elgen a été attaqué par un dragon. Les brigands, ça me fait pas peur. Mais ces histoires de dragons... Le monde est debout. Ceux qui désirent en apprendre plus sur l'art de la magie peuvent envisager de rejoindre l'Académie des Forts d'Hiver. C'est ce que je vais faire. Puis je m'étais fait déjà, comme je dis, une première partie pour voir les trucs. Et puis j'ai continué et en fait je me suis fait un petit programme qui m'a beaucoup plu et ça me dérange pas de refaire. Nous paierons le prix nécessaire. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux. Je ne peux pas m'occuper okay. d'une commande aussi Est-ce importante que tout seul. Seul. Et si vous ravalez votre fierté pour une... Donc j'allais voir le Yarl. Et après je dirais ce que je voudrais faire. Je vais m'arrêter là. Là on est à 15 minutes de vidéo, je crois. Pas mal. Thank you.
que passe. Rien du tout. Je vous en prie. Que signifie cette interruption? Le Jarl Balgruuf ne reçoit aucun visiteur. Juste moi, je m'en fous, j'arrive et voilà. Allez, hop. Alors qui est-ce? Voilà qui explique pourquoi les gardes vous ont permis d'entrer. Alors comme ça, vous étiez à Helgen. Le Jarl va vous recevoir. Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux? Par Ismir, Irilet avait raison. Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs contre un dragon? Désolé si ça lag un peu là, je sais pas, ça va être Fraps. Fraps en plus, c'était en train d'uploader l'épisode 1. C'était la fin. Puis je me suis dit pourquoi pas tourner en même temps. Monseigneur, nous devrions envoyer des troupes à Rivoire sur le champ. Juste faire quelque chose. Le danger. Le Jarl Dervon considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions pas. Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irilet, envoyé sans attendre un détachement à Rivebois. Oui, mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Prenez ceci. En gage, vous pourriez faire autre chose pour moi. Venez, allons voir Farangar, le sorcier de ma cour. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ces dragons. Et ces rumeurs de dragons. Cela n'a pas de sens de rester ici à rien faire. Nous devrions déplacer le combat chez les Sombrages. Farangar, je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la réalisation de votre projet concernant le dragon. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Comme ça, le Jarl vous croit capable de m'aider? Ah oui, il devait sans doute penser à mes recherches en matière de dragon. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Bien, où faut-il que j'aille? Qu'est-ce que je dois ramener? Ah, vous vous embêtez pas de savoir le pourquoi du comment, vous. J'aime les gens directs. Voilà. Vous laissez vos supérieurs s'embarrasser avec les détails, hein? J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes de dragons. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées, trouvez cette tablette, sans doute enterrée dans la chambre principale, et rapportez-la-moi. Il n'y a pas plus simple. Regardez donc. On va arrêter là et puis on va aller enquêter. C'est une priorité maintenant. Il nous faut tout ce qui peut servir à affronter ce ou ces dragons. Nous en avons besoin avant qu'il ne soit trop tard. Entendu, Jarl Balgruuf. Vous m'avez visiblement trouvé un bras droit qualifié. Et puis on ira enquêter. On ira enquêter sur la pierre du dragon. On va s'arrêter sur cet épisode. Je passe beaucoup de temps aux étals du marché pour apprendre le métier de marchand. On ira au fini. J'ai besoin d'expérience si je veux avoir mon auberge.